Baraka, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Puisqu'on approche la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, je voudrais bien vous raconter une très belle histoire que nos sages y racontent sur Rabbi Meir Baal HaNes. Il y avait une fois une femme qui aimait écouter les cours de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est connu que Rabbi Meir Baal HaNes, il parlait bien. Il avait, avec celui qui le voyait, il devenait intelligent. Son visage était beau, Rabbi Meir Baal HaNes. Il avait, même ceux qui étaient Rishaim, lorsqu'il voyait le visage de Rabbi Meir Baal HaNes, il faisait teshuva. Et Rabbi Meir Baal HaNes, on dit sur lui qu'il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Noah Kadosh. Et Rabbi Noah Kadosh, c'est lui qui a écrit tous les Mishnayot. Un grand tzaddik. Et Rabbi Noah Kadosh, il a dit, si moi je suis intelligent, si je suis arrivé ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir Baal HaNes. Et je voyais que son cou, c'est tout. Je voyais que son cou. J'étais derrière lui, je voyais son cou. Grâce à son cou, je suis devenu ce que je suis devenu. La plus forte raison, si j'étais assis en face de lui, j'aurais été 10 fois plus. Alors, une fois, je me suis posé une question. Pourquoi il s'est pas assis en face de lui? Eh bien, justement, c'était dur de rester trop longtemps en face de lui, tellement que son visage illuminait, à tel point qu'on l'appelait Rabbi Nehorai. On l'appelait la lumière. Rabbi Nehorai, la lumière. Et Hachamim disent que lorsque Mashiach va venir, il va être l'un des premiers qui vont accueillir le Mashiach. Parce que le Mashiach va venir de Tveria. Comme ça on dit. Alors, la belle histoire que je vais vous raconter, il y avait une fois cette femme qu'elle allait écouter tout le temps les cours de Rabbi Meir. Et un jour, le cours de Rabbi Meir était long et elle était obligée de rester un peu plus jusqu'à la fin du cours. Elle arrive à la maison, son mari lui a crié, il a craché sur elle et il l'a jeté par les escaliers, il l'a dégringolé, la pauvre, tous les escaliers. Elle était blessée, la pauvre. Il l'a jeté de la maison. Il lui a dit, quoi? Toi, tu préfères ce rabbin plus que moi? Tu écoutes ses cours de Torah et moi, tu n'es pas venu à la maison? Ah, tu savais que je suis là? Il lui dit, son cours était tellement attirant que je me suis oublié. Je m'excuse. Elle a tout fait pour demander des excuses. Et lui, il n'a rien voulu savoir, le mari. La pauvre, elle a passé la nuit à côté de la porte. Le matin, il lui dit, bon, tu veux que je te pardonne? Tu vas aller chez Rabbi Meir Baal HaNes pendant qu'il fait le cours et tu vas cracher sur son visage. Il lui dit, quoi? Moi, je vais cracher sur le visage de Rabbi Meir Baal HaNes, c'est pas possible. Qui peut cracher sur le visage de Rabbi Meir Baal HaNes? Il a dit, ben voilà, sinon je te divorce. La pauvre, elle savait pas quoi faire. Elle a pas mangé. Elle était encore avec ses vêtements. La pauvre, elle savait pas quoi faire. Elle restait toute la journée, assise dehors, dans le soleil. La pauvre, la souffrance, que quelques personnes ont eu de la peine pour elle. Ils l'ont apporté à manger dehors. Bon, son mari était dur. Et le mari, il s'est justifié. Elle m'a abandonné. Enfin, vous comprenez les maris qui sont un peu durs avec leur femme. Donc, ils trouvaient des excuses pour mentir. Et bon, d'un côté, il a raison. Mais d'autre côté, il l'a laissé toute la nuit dehors. Et l'a fait souffrir, la souffrance qu'il a fait souffrir toute la nuit et toute la journée, et en plus lui dire d'aller cracher sur le visage d'un grand tzaddik, c'était pas facile. Bon, le soir, Rabbi Meir Baal HaNes, il fait son cours. Elle a rien à faire. Et s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller écouter le cours du Rav.
Et Dieu est grand. C'est tout. Peut-être quelqu'un, il va avoir de la peine pour moi, pitié pour moi, pour me prendre chez lui à la maison. Et oui, toujours, il y a eu des personnes qui ont souffert comme ça. Mes amis, Rabbi Meir Ba'al Nes était un prophète. Il la voit de loin. La première chose qu'il a fait, il a compris à la pauvre que ça fait déjà plus de 24 heures qu'elle est dehors. Il a compris ce que son mari, il voulait qu'elle fasse. Il dit, j'ai un peu mal aux yeux, et je voudrais bien une femme, c'est une ségoula, une femme qui vient souffler dans mes yeux. Vous savez, lorsqu'on souffle, il y a un peu de crachat qui sort. Alors, aucune femme n'a osé venir souffler dans les yeux de Rabbi Meir Ba'al Nes. Aucune femme. Rabbi Meir Ba'al Nes regarde la femme là, en question. Il dit, toi, madame, que les zirotes de la Torah te protègent, il n'y a que toi qui vas me guérir. Il ne voulait pas, il l'a forcée, elle vient. Il dit, alors, souffle. La pauvre, elle avait faim. Elle souffle sur ses yeux. Il dit non, c'est pas assez. 7 fois, elle a soufflé. Et bien sûr, en soufflant, elle a craché aussi. Parce qu'il y a un peu de crachat qui sort lorsque tu souffles. Alors après, il lui dit, ma fille, tu peux aller chez ton mari. Dis-lui, toi, tu as dit que je crache sur le visage de Rabbi Meir Ba'al Nes une fois. Dis-lui, moi, mon mari, j'ai craché sur le visage de Rabbi Meir Ba'al Nes 7 fois. Et Rabbi Meir Ba'al Nes, il accompagne cette femme jusqu'à chez elle. Et il dit au mari, tu peux être tranquille, elle a craché sur moi 7 fois. Ta femme, c'est une sainte. C'est comme ça qu'elle est fait faire des chevaux à ce monsieur-là. Que son zéro soit avec vous, amène qu'elle sonne et allumez sa veilleuse.